Les notions de droit sont en général méconnues des populations. Les médias, supports d'information, n'échappent pas à cette méconnaissance. Consciente donc de ce fait, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire décide de former les professionnels des médias. Et nous avons estimé que pour qu'ils puissent collecter les informations, trier les informations, sensibiliser et réveiller la conscience des gens, il fallait donc qu'ils soient formés sur un certain nombre de points, et notamment en matière de droit. La procédure pénale, la procédure civile, la responsabilité pénale, la responsabilité civile, sur le mariage et également les violences basées sur le genre. Et toutes ces notions-là ont été dispensées aux journalistes afin de leur permettre de parler avec nous le même langage juridique. Une formation qui permettra à ces hommes de médias de fournir des informations de qualité sur le droit aux populations. On a appris des choses qu'on ne savait pas et qu'aujourd'hui, grâce aux femmes juristes, on a pu avoir une notion. Nous nous sommes familiarisés véritablement avec les concepts clés du droit en vue, n'est-ce pas, d'en faire une meilleure vulgarisation, une meilleure promotion dans les différentes couches sociales de notre pays. Nous avons l'habitude d'écrire prévenus, détenus, condamnés, sans réellement savoir ce que cela veut dire. Mais avec cette formation aujourd'hui, on sait à quel moment parler de détenus, à quel moment parler de prévenus. Cet atelier de formation a duré 3 jours et a vu la participation d'une vingtaine d'hommes de médias venus de toutes les régions, notamment de Mans, Boaké et Divo.